Hey. Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo de l'école de karaté Charlebourg. On va parler maintenant d'étranglement, quand quelqu'un s'en vient nous saisir à deux mains. Qu'est-ce qu'on ne veut pas faire, c'est le laisser passer à l'intérieur, de venir nous laisser prendre, il faut réagir à l'avance. Et, parce que quand il vient nous prendre, il vient fort, ses bras sont à l'intérieur de ses épaules, puis il vient les bras à l'intérieur. Moi, si j'ai les bras à l'extérieur pour être venu la gripper, il est beaucoup plus fort que moi. C'est comme s'il me faisait, il pouvait me faire un clinch comme ça ici, ok? Il est beaucoup plus en avantage que moi. On reconnaît ce moment-là beaucoup à Muay Thai, les mains à l'intérieur. Si je viens vous le frapper, il peut lever les coudes, il peut se pencher la tête, il peut se protéger, ok? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a différentes méthodes. Ah, la sorte s'en vient m'attaquer pour venir me prendre au cou. Je peux dégager par le côté et m'en aller sur le sol, ici, à l'extérieur. OK? Encore une fois, avec le mouvement à deux mains, le mouvement circulaire. Un, je me dégage. Pam, OK? Mais l'autre côté. Pam. C'est bon? Si je reste au centre, ce qu'il faut que je fasse, m'attaque, je dois descendre les bras vers le bas pour me donner accès à la tête. Pour que je puisse le frapper carotide, tempe, menton. OK? Je descends les mains vers en bas. Maintenant, on attaque les points de pression. OK? Je descends. Je peux venir directement ici à la carotide. Ou le nerf en arrière de la carotide, le plexus brachial. Directement ici, comme ça. Ou de l'autre côté. Un, deux. Très efficace comme technique. On peut y aller directement avec des coups poings. Un, deux, trois. Je vais refaire une autre fois. Bam, bam, bam. Je peux venir mettre mes mains à l'intérieur et la gripper, moi, à mon tour, pour le contrôler, pour que je puisse peut-être après l'amener au sol. Ah. Je viens le contrôler, okay? Je viens le prendre, je reste à l'intérieur de lui, okay? Pour enchaîner des coups de genoux, okay? Ou l'amener au sol. Un, je peux venir chercher puis rentrer à l'intérieur. Et ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est qu'il faut s'en venir à l'intérieur de la personne et vous choisissez les frappes que vous désirez. OK? Mais il faut avoir un contrôle. Un, deux, je suis à l'intérieur. Pour m'entrer ici, je suis comme placé comme un chuteau, OK? OK? Je vais le refaire une fois plus lentement. Ah. Chuteau. Ou un autre. Pour qu'il y ait un coup d'œil. Kata, Kankudai, on lève les mains en avant. La personne arrive, je lève mes mains directement au visage. Comme ça ici. Une autre fois. La personne arrive, je me penche la tête. Bam! Je rentre directement les deux mains au menton. Après ça, bam! Comme le début du kata. Il m'attaque l'autre côté. Oh, l'autre côté. Donc, ne pas se laisser prendre, aller choisir l'intérieur ou sortir à l'extérieur. Parfait? En espérant que ça va vous servir et que vous allez pouvoir pratiquer. Tout de suite. Oui.